Un match fou, on l'attendait depuis l'ouverture de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Égypte-Ghana, un chassé-croisé formidable entre deux des plus beaux palmarès du foot africain. Il y avait aussi une autre affiche sur le papier aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Victor Osimhen et les siens repartent avec les 3 points et se replacent dans ce groupe A. On va tout vous expliquer. Nous sommes toujours face à la lagune d'Abidjan. C'est Tam Tam Parleur, l'émission qui parle aux amoureux du football. On attaque tout de suite Brakissa avec ce match entre l'Égypte et le Ghana. Enfin, une affiche qui tient ses promesses. Et oui, avec le Black Stars, hein, notamment, qui ont ouvert le score avec Mohamed Kudus. Henri. Récupération haute grâce au travail de harcèlement de Jordan Ayew. Mohamed Kudus qui a décoché une frappe impressionnante pour ouvrir le score. Et ensuite, hein, il aura fallu attendre la 69e minute pour que les Pharaons réagissent. Et ils ont notamment rebondi avec Omar Marmouche pour le second but qui a été marqué donc par les Égyptiens. Ensuite, on va l'avoir ce but, on doit l'avoir dans les machines. Le voilà, c'est la fin de la journée, c'est un petit peu compliqué. On va voir cette passe Henri, on se demande ce qu'Iñaki Williams fait là et pourquoi il fait ce choix. Oui, il a mal défendu, il a mal réagi sur ce coup, mis sous pression par ces Égyptiens qui étaient résilients. Grosse bêtise de la part d'Iñaki Williams qui confirme que sur le plan de l'animation défensive ghanéenne, il y a beaucoup de choses à régler. Et figurez-vous donc que la riposte ne s'est pas fait attendre. Alors on revoit là effectivement ce pénalty et la riposte donc ne s'est pas fait attendre car 2 minutes plus tard les Ghanéens avec Mohamed Kudus toujours marquaient de nouveau Henri. Oui, grosse frappe de Mohamed Kudus grâce au travail de Odoi, le centre au cordeau tout de suite et Mohamed Kudus qui a encore déclenché. Il était tout proche de pouvoir donner la victoire à son équipe sur des exploits individuels, mais après il s'est passé des choses. Et ce match, David l'a dit, a été complètement fou parce que figurez-vous donc il y a eu un coup sur coup effectivement, hein, 75e minute à ce moment-là, Mostafa Mohamed côté égyptien ajoute un but à son compteur et surtout un but pour les Pharaons, un but supplémentaire. Henri. Ousmane Boukari qui a remplacé Iñaki Williams n'était pas verni sur ce coup. Grosse erreur individuelle encore une fois. Les intermémoires défensifs ghanéens pour l'instant sont avérés. Et voilà, il faut saluer le pressing intense de Trezeguet qui a couru jusqu'au bout. Et Mostafa Mohamed, comme un félin, était dans la lisière de la surface de réparation pour reprendre ce ballon. En tout cas, les erreurs défensives ghanéennes sont ahurissantes dans ce premier tour. Résultat du score, donc 2-2 entre donc, l'Égypte et le Ghana. 3 buts en 6 minutes, Sébastien, ça faisait longtemps qu'on attendait depuis le début de cette CAN. On attendait Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Là, on a enfin le match référence de la CAN. On a le match référence, surtout avec deux grandes nations du football africain. On attendait Mohamed Salah, comme d'habitude, on attendait Mohamed Kudus, on l'a eu, ils sont arrivés, les Égyptiens. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont fourni une prestation digne de leur statut, digne de ce qu'ils ont fait sur ces dernières années. Et aujourd'hui, le Ghana, c'est pas passé loin, mais ils ont fait mieux que le premier match. Je dirais clairement, ils ont fait preuve d'allant offensif. Je pense qu'on va en reparler encore de Mohamed Kudus de manière un peu plus approfondie. Mais oui, un match qui a tenu ses promesses. Nous allons tout de suite aller au stade, hein, retrouver Emmanuel Adebayor, le stade de Félix Houphouët-Boigny, en compagnie de Mensa. Emmanuel, on vous écoute. Il y a toujours des problèmes de liaison. Il y a énormément, hein, de médias dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les fréquences sont utilisées. Il y a beaucoup de monde dans la zone mixte parce que tout le monde veut recueillir l'avis des joueurs. Il n'y a pas que nos envoyés spéciaux. Il y en a beaucoup des médias du monde entier. On essaiera de rétablir tout ça et on retrouvera évidemment Emmanuel Adebayor et ses invités tout au long de la soirée. On va s'intéresser à un fait de match malheureux pour tous ceux qui aiment le beau football, pour tous ceux qui aiment les attaquants. Henri, c'est la sortie sur blessure
du pharaon Mohamed Salah. On va la revoir cette image parce que c'est intervenu à la fin de la première période. Mohamed Salah qui s'écroule, touché à la cuisse et qui va devoir quitter ses coéquipiers. C'est incontestablement le tournant du match. Oui, c'était le tournant du match, cette sortie de Mohamed Salah qui a un peu plombé l'équipe égyptienne. C'était pas une coïncidence le fait que l'Égypte encaisse après sa sortie. Il constitue la figure titulaire de cette équipe. Maintenant, l'interrogation, est-ce qu'il va se remettre en place, en forme, avant le dernier match de cette phase de groupe? C'est la grosse interrogation. Demain, il va sans doute passer des examens pour avoir beaucoup plus de précision sur le tas de sa blessure et la durée d'indisponibilité. Est-ce qu'on peut penser que l'équipe a été libérée après la sortie sur blessure de Salah, Sébastien? D'une manière un peu décalé, je pense que la sortie de Salah, elle les a un peu handicapés dans les minutes qui ont suivi le but. Après ça, ils ont eu le temps de se remobiliser, il y a eu la mi-temps qui est arrivée. Je pense que Salah, lui-même, dans les vestiaires, en tant que bon capitaine, il aurait dû leur adresser quelques mots. Et comme on l'avait dit, je pense, pendant la mi-temps, ça a permis aux joueurs de se sublimer pour leur capitaine et de prendre leurs responsabilités. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ils ne sont passés pas très très loin. On en parlait pendant la mi-temps, mais pendant la deuxième mi-temps, et je pense que c'était un élément déclencheur et positif d'un côté pour l'équipe égyptienne. Mohamed Koudous, double buteur, a été élu man of the match, homme du match. On l'écoute. It's a mixed feeling, you know, because with an impact like this, you want to get the 3 points, but we reflect on this and then focus on the next game. C'est que le reflet de ce match, c'est qu'on on a trop regardé l'autre équipe. Yeah, I was doing my best. Real to get ready for the team and then pour l'équipe. Today I was fit and then j'étais plus en forme que ce que j'aurais voulu. Mais comme je l'ai dit, c'est un résultat décevant, on voulait les 3 points. Fought and gave their best, but yeah, tout le monde a voulu donner son meilleur. Mais c'est décevant, c'est 100%, 100%. We come in to get the 3 points for the next game, so that's the focus. 100%, on va venir pour prendre les 3. À 100%, on viendra pour prendre les 3 points pendant le prochain match. Et merci à Sébastien Basson pour la traduction simultanée et bravo à Mohamed Koudous. Encore une fois, les amis, un petit coup de pouce du destin. La frappe est détournée. Bien sûr. Henri. La frappe est détournée, mais ça n'enlève en rien à son mérite d'avoir frappé. Parce que c'est un joueur qui a une confiance assez avérée. Il veut s'affirmer, il veut porter cette sélection ghanéenne. Mine de rien, c'est le référent technique de cette équipe. Il prend toute la lumière et il arrive à pouvoir supporter cette charge émotionnelle. Je pense que c'est un joueur déception et il a prouvé à satiété. En tout cas, il était très très attendu. Première titularisation dans cette CAN, il a répondu présent avec un doublé qui permet à son équipe de prendre son premier point. Mais vous le verrez tout à l'heure, ça risque quand même d'être compliqué pour le Ghana. Tiekoura, Koulibaly, je voudrais un petit mot sur vous, revenir sur la résilience quelque part des Égyptiens qui ont perdu leur capitaine emblématique Mohamed Salah, mais qui sont toujours revenus au score dans cette partie. Moi, je pense que l'Égypte est dans la continuité de ce qu'elle fait depuis plusieurs CAN, c'est-à-dire qu'elle a une grosse force mentale. Et on a vu là à la sortie de Salah qu'ils se sont concertés après le but, ils se sont parlé. Et tout de suite, dès l'entame de la deuxième mi-temps, ils ont voulu aller chercher quelque chose. Ils ont mis les Ghanéens sous la pression, et après, ça a généré des fautes, des erreurs des joueurs ghanéens, et ils ont profité de cela pour marquer les deux buts. Donc, comme je disais avant la mi-temps, que c'était pas fini pour les Égyptiens, car mentalement, c'était une grosse équipe avec une grosse cohésion. Et d'où leur vient ce mental, justement, de ne jamais rien lâcher? Franchement, ce sont des valeurs que les coachs mettent en place au fil du temps. Les joueurs qu'ils choisissent, ils doivent répéter des choses, ils doivent avoir plein de choses ensemble, dans tout ce qu'ils vont faire. Le coach, il va toujours les amener vers ça. Et il y a un moment, quand la mayonnaise est prend, ça se voit sur le terrain. Même quand Salah est sorti, ils ont dû se dire, les gars, on le fait pour Salah, on le fait parce qu'il n'est pas là, donc il faut qu'on ramène les points pour lui. Et du coup, on voit sur les buts, ils sont très très déterminés, les joueurs.
ils vont chercher quelque chose et ça se voit dans leur manière de se comporter, les pressings à deux, à trois sur le joueur. Et une vraie cohésion finalement, cohésion d'équipe. Bien sûr, ils se sont appuyés là-dessus. Très bien, les amis, qu'est-ce qu'on peut aborder encore comme thème dans cette partie? Est-ce que Emmanuel Adebayor a du monde avec lui? On peut peut-être regarder, jeter un coup d'œil au classement, tout simplement. On amène ça avec Chehi, on y va. Allez, c'est parti. On retourne à Oufouet Boigny. Amifa Chimeru here. I want to know your emotions. I want to know how you feel about this. Tes émotions, about ça, this comment game. Tu we think que tu sens par rapport à ce match. Ghana is going to go home with the 3 points. But le Ghana voulait rentrer avec les 3 points. Is it part of your plan to play back? Or we don't understand. Est-ce que c'était une partie de vos plans de mal jouer? I'm very proud of the team today. Je suis vraiment fier de l'équipe. Ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a fait par rapport au premier match qu'on a montré. On a montré qu'on voulait vraiment gagner ce match. We made two mistakes that caused the goals, and then now we have learned that. On n'a pas planifié de faire deux erreurs pour les deux buts. Et on aurait aimé éviter de donner deux buts. Mais je le dis, encore une fois, je suis très fier de l'équipe. Today you got your talisman back, Mohamed Kudus, who has incredible game. He was aujourd'hui, vous avez récupéré votre star player, Mohamed Kudus, qui a mis deux buts. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de joueur, de ce qu'il a fait? On avait besoin de lui énormément pendant le match. Chaque joueur qui va rentrer dans l'équipe aujourd'hui, c'est un joueur de qualité. On a eu un point, on est vraiment content qu'il soit de retour. Merci beaucoup. Et il lui a souhaité bonne chance pour la suite. Ça ne va pas être si simple pour le Ghana qui est sous pression. Ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Votre ami Chris Hughton, ça se tend un petit peu pour lui. Ça se tend un peu beaucoup. Parce que, non, un petit peu beaucoup, il faut être réaliste. Après un match, on peut laisser un peu le bénéfice du doute. Et là, il faut voir les circonstances du match, comment le match il a tourné, comment ils sont arrivés à se faire rattraper sur des erreurs individuelles. Même pendant le premier match, c'était un peu fragile défensivement parlant, qui ne concerne pas simplement la défense, qui concerne toute une organisation défensive. Et quand tu mènes deux fois, que ton joueur phare revient, te fait gagner, en fait, te met en avant, et après que tu te fais rattraper sur, on va dire, des erreurs individuelles et beaucoup d'histoires d'émotions, et de gestion de l'émotion, gestion des temps forts et des temps faibles. C'est sur ça que je pense que Chris Hughton, il va avoir pas des problèmes, mais en fait une difficulté à mettre la main dessus, parce qu'il n'aura pas vraiment le contrôle sur ça, parce que c'est vraiment individuel. Et là, il peut faire autant de choses qu'il veut. Ça, c'est des choses qui sont intrinsèques, c'est face à toi-même. C'est toi face à toi-même et tu dis à quel point je peux me sublimer. Et c'est ce qu'il va falloir, avec un peu de chance aussi, pour le dernier match du Ghana, des Black Stars. Mais après, Seb, je pense que, oui, ce sont des situations d'erreurs individuelles qui ont amené ces buts. Mais après, peut-être Chris Hughton demande à ses joueurs de ressortir proprement le ballon. Beaucoup de prises de risque dans les sorties de balles. Parce que quand vous voyez un peu la passe d'Iñaki Williams, c'était incroyable. Il fallait dégager peut-être en touche. Et quand vous regardez également Ousmane Boukari, quand il est rentré, je me dis... Tu me dis, c'est pas une, après je te laisse, mais c'est pas une instruction d'un entraîneur. Quand tu es sur le terrain, tu prends tes responsabilités. L'entraîneur, il peut te téléguider autant que tu veux, tu peux avoir des consignes, mais c'est toi qui joues sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, tu dois prendre tes décisions. Son niveau de décision, c'est ça qui fait la différence. Et là, à ce moment-là, l'entraîneur, il peut te donner n'importe quelle consigne. Je suis tenté que Chris Hughton leur ait demandé ça, ce que je ne pense pas, le connaissant. Il est plus dans l'efficacité, c'est un conservateur. Là, c'est le joueur dans l'émotion, sur le moment, qui fait un mauvais geste, qui fait un mauvais choix. Et ça ne concerne que le joueur. Oui, mais pour revenir à ce qu'il disait Bassong, là, on a vu qu'une équipe qui était en plein doute dans le comportement, dans leur attitude, dans leur manière de jouer. Ils se parlaient beaucoup, ils cherchaient de l'énergie, des bonnes émotions, mais ils n'arrivaient pas à trouver parce que les Égyptiens, psychologiquement, avaient pris le dessus et ont continué à mettre la pression. C'est ce qui a provoqué ces erreurs-là. Donc je pense que le coach, ce qu'il va essayer de faire, c'est parler avec les joueurs, faire une réunion, retrouver les émotions, retrouver de l'énergie et il n'y a pas assez de temps. C'est ça qui va être compliqué.
Allez, on va regarder ensemble hein, le tableau des statistiques hein, durant le match. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau des possessions de balles hein, et également donc, des tirs cadrés? Alors, on regarde ensemble. Plus de possessions côté égyptien, mais ça reste toute somme assez équilibrée tout de même, Sébastien. Oui, la possession de balles aujourd'hui, là, elle est assez équilibrée. Parce que c'était quand même un match qui allait dans les deux sens, allait dans les deux côtés du terrain. Avec une équipe égyptienne, Sébastien, qui courait après le score. Donc, il y avait besoin d'avoir le ballon. Exactement. Une en fait, l'équipe égyptienne, elle a joué dans une verticalité, elle était beaucoup plus agressive, surtout dans son pressing. Ils défendaient, comme on dit, ils défendaient vers l'avant. Ça veut dire qu'ils n'attendaient pas, ils allaient chercher très haut. Et ils ont mis l'équipe ghanéenne sous pression dans les sorties de balle. Si vous regardez bien les buts qu'ils ont encaissés, c'est les joueurs ghanéens face à leur but. Enfin, ça veut dire qu'on les met dans une situation où on vous met la pression d'inconfort et là on profite et comme il l'a très bien dit, il faut aller voir le body language des joueurs. Quand il y a eu la pause, ça veut dire que les joueurs égyptiens, ils étaient très calmes, ils se donnaient des instructions très, très efficacement. Les joueurs ghanéens, ils cherchaient ce second souffle pour sortir de ce brouillard un petit peu. Et c'est ça qui a fait un peu la différence dans le sens où vous sentez une force en présence du côté égyptien. On l'a fait pendant des années et on va le refaire. A contrario, le Ghana, qui était un peu perdu, qui cherchait ses leaders, qui cherchait quelqu'un qui pouvait les rassurer. Et à ce moment-là, ça va trop vite et on perd ses moyens. Ce sont des livres. Ce sont des livres. On vient de voir un match super en deuxième période parce que la première mi-temps était faible. On a vu 4 buts. Et Henri Akodo, Tiékoura Coulibaly, Sébastien Basson vous expliquent tout. Tout ce qu'il faut comprendre, la gestuelle, le body language, c'est fabuleux. On va récapituler tout ça, les amis, avec le classement de ce groupe B. Et alors là, c'est très, très intéressant parce que, surprise, c'est le Cap-Vert qui est en tête avec 3 points. Les Requins Bleus qui joueront demain contre le Mozambique à 14h au stade Oufouette-Boigny. Tout reste possible dans ce groupe. Allez, on va revenir ici et puis on va revenir sur ce qui s'est passé avant pour être complet sur les matchs de la journée. On vous l'a dit, il y avait 2 matchs à 14h et à 17h. On commence avec lequel? Je vous propose Côte d'Ivoire, Nigeria avec ce but. Les Super Eagles l'emportent 1-0. C'est Strout Ekong en deuxième mi-temps après une faute de Diomandé sur Osimhen. Le Nigeria qui se relance donc grâce à ce pénalty. La Côte d'Ivoire est en plein doute car c'est bien elle qui devra affronter la Guinée équatoriale, le nouveau leader du groupe. Oui, le leader du groupe parce que le Nzalang national, on va y arriver dans quelques instants. Un petit tour par le plateau. Et on repart sur le match de 14h entre les deux Guinées, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau. Guinée équatoriale emmenée par un super Emiliano Nsoué, le joueur de 3e division espagnole. C'est Intercity, hein, le club, c'est ça? Intercity, sûrement. Un truc qui ressemble à ça, c'est votre confirmation. C'est lui qui ouvre la marque, la réplique d'Edjurtu. C'est un but contre son camp d'Esteban Obiang. Il était challengé devant son but dans la surface de réparation. On voit que la gestuelle du joueur, il n'est pas tourné dans le bon sens, mais peu importe. La Guinée équatoriale va reprendre l'avantage grâce à Josete Miranda et il est content. Ça fait 2-1. Le Nzalang National qui va accentuer son avance avec encore un souhait. Là, c'est son doublé avec un travail défensif très faible de la part du gardien Bissau guinéen. Et oui, Nsoué, il nous aime et on l'aime aussi. Il va même mettre un triplé, mon cher Henri Akodo. Un triplé à la CAN. Ça, c'est des souvenirs qui restent. Là, on est à 4-1. Et même si la Guinée-Bissau réduira le score après ce centre de Mama Baldé, c'est Gilson Correa qui va marquer. Ça fera 4-2. On a le match le plus prolifique de la compétition. Quel match vous avez préféré finalement? Le match Guinée-Équatoriale-Guinée-Bissau ou le match, on ne va pas dire que Côte d'Ivoire-Nigeria, est-ce que c'était le moins bon, ou celui entre l'Égypte et le Ghana? Henri. Moi, je retiens un fait historique, le match Guinée-Bissau-Guinée-Équatoriale. Emiliano Nsoué, il a marqué un triplé. Il faut savoir que c'est. Il vient de battre un record, celui de Sofiane Aloudi, un record qui date de 14 ans, je pense, 2008, où il avait marqué le triplé, un triplé face à la Namibie. Après, pour faire plaisir à Basson,
Et Samuel Eto'o a marqué également un triplé en 2006 face à cette formation angolaise à la CAN. Il a répondu. Voilà, rien, donc Emmanuel Emiliano Choué, pour faire plus sérieux, voilà, attend 4 ans, il est toujours là, présent pour son équipe. Moi, je suis bluffé par son démarquage, sa capacité à bien se déplacer, à se positionner sans les tout. Regardez Henri, je suis désolé de vous couper, regardez l'image. Emmanuel Adebayor avec Chris Hughton. As you can see, I'm with the coach. Coach, you want to know what went through your mind after the last week? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête après le dernier résultat? You guys play well compared to the first game. You guys show votre équipe a contrôlé le match, ils ont mieux joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Frustration. C'est de la frustration. We know we didn't do well enough in the first game. On sait qu'on n'a pas été assez bon dans le premier match. So we demanded more intensity. On s'est demandé plus d'intensité and to be strong enough to stop a good team. D'être capable d'être assez fort pour stopper l'autre équipe. Quand tu marques deux buts contre une bonne équipe comme l'Égypte et qu'on fait deux erreurs pour les buts, c'est très frustrant. Je pense que je peux être très fier de l'équipe et de leur performance. Et on doit prendre ce genre de performance jusqu'au prochain match. Et si on le fait, on sait qu'on a de l'âge, on aura une possibilité. I think as a fan of football, we are all waiting. A long waiting was over because we are all waiting to see Mohamed Kudus to have his first game in on a tous and attendu today he was brilliant. Jusqu'à ce que Mohamed Kudus revienne et joue son premier match d'AFCON. À quel point il a été bon aujourd'hui, à quel point il a été important et à quel point cette performance était importante. And maybe in the past, I think what sa performance qu'il a donnée aujourd'hui est importante. Ce qu'il a montré, c'est de la maturité, la forme qu'il a dans son club. Je pense parce que son niveau avec West Ham, il a été très très bon. Il a été blessé juste pendant moins de 3 semaines, c'est pour ça qu'il a réussi à rester à un certain niveau. On sait qu'il peut faire ça. Parce que son niveau, encore une fois, à West Ham a été très très élevé. Et heureusement pour nous, il a pu être à ce niveau-là aujourd'hui. That you have been attacked by some fans. We want to know from inside how was that? How did you take it? Is it the first time you are experiencing something like this, or you are used to it? No, it's la première fois que I've not experienced before. Vous expérimentez ça, you know, vous avez été habitué. At the time, I've had a lot of support, but it's more important for us is after. And le plus important, c'est la concentration qui vient après, se concentrer sur les performances qu'on a eues aujourd'hui. I don't think there would be too many of our supporters that would be disappointed with the performance today. Maybe the result. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être déçus des performances. Thank you so much, coach. Peut-être du résultat, mais pas de la performance. I wish you best of luck for your coach. Et je vous dis merci beaucoup. On est tous gagnants. Vous avez été gagnants aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Adebayor. On se retrouve très rapidement pour les commenter donc les prochains matchs. Dites-moi, Sébastien, vous qui connaissez bien Chris Hughton, il avait l'air particulièrement touché quand même là. Non, c'est sa manière d'être. Il n'est pas très expressif comme personne. Il est assez introverti. Et je pense que le temps de, on va dire, process, d'analyser toutes ces émotions, ces hauts et ces bas, parce que je pense que pour lui, sur la touche, c'est assez frustrant de ne pas avoir la main sur les choses qui peuvent se passer, sur des événements que lui-même, qui ne sont pas des faits tactiques, ils n'ont rien à voir avec la tactique. Donc je pense qu'il est, c'est normal, c'est un jeu d'émotions. Le football, c'est rempli d'émotions, on gagne, on perd, ça monte, ça descend. Et Chris Hughton, il n'est pas exempt de tout ça. Aujourd'hui, il va lui falloir un peu de temps pour analyser tout ça et avoir la bonne réaction, la bonne stratégie humaine. Parce que là, c'est plus dans les têtes. Et maintenant, ce n'est pas tactique, ce n'est pas physique pour pouvoir remettre son équipe sur pied et aller de l'avant pour gagner le dernier match. Merci Sébastien Bassonde pour vos analyses. Est-ce que vous avez envie d'avoir peur? Vous n'êtes pas ivoirien, Sébastien. Non. Allez, on va regarder le classement de ce groupe A. On va tout remettre à plat.
avec les résultats du jour. La Guinée équatoriale qui a battu la Guinée-Bissau, 4-2. La Côte d'Ivoire qui s'incline face au Nigeria, 1-0. Le classement, vous l'avez sous les yeux, Guinée, Nigeria, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau. Le prochain match de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Le prochain match de la Côte d'Ivoire, ce sera contre le leader, la Guinée équatoriale. Ce sera comme un 16e de finale. Si le Nigeria, qui affronte la Guinée-Bissau, on a vu l'équipe la plus faible du groupe, finit en tête. Première information, le Nigeria chassera les éléphants d'Abidjan. Car le premier du groupe A reste à Abidjan. Ce qui, au regard des prochains matchs, ne devrait pas arriver. Donc déjà, ça c'est pas une information, c'est une forte probabilité. La Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Pourrait quitter Abidjan dès le prochain tour. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait peur à un Ivoirien ? Ou c'est peut-être un mal pour un bien ? On sait que le public, exactement, hors des grandes villes, peut être plus chaud. Exactement. Ouais, je pense qu'on est chez nous. De toute façon, peu importe l'endroit, on va se mobiliser quand même pour aller au terrain. Donc, ça va changer un peu les habitudes parce qu'ils ont les terrains d'entraînement qu'ils ont depuis la préparation. Donc, ça va changer un peu l'environnement. Mais là, s'ils sont dans ce cas-là, ils n'auront pas le choix. De toute façon, il faudra élever le niveau malgré le changement d'environnement. Donc, ouais, on est chez nous, on va dire. Ah, vous restez confiant, ouais. On est chez nous. Alors, moi, j'entends tout ce que vous me dites. Sébastien, vous voulez intervenir? Non, pour moi, ça serait une bonne chose. À quel niveau? Une bonne chose pour aller à la rencontre du peuple en dehors de la capitale. Et ça peut vous galvaniser, vous donner un élan? C'est pas la même ferveur à la capitale et en province. Et souvent, pour l'avoir vécu avec le Cameroun, quand on va en province, quand on sort de la capitale, on est accueilli d'une manière différente. On est moins implanté, on a moins d'habitude, ça nous pousse à faire ce petit plus qui peut souvent gagner le peuple. Et quand on a le peuple avec nous, on a ce regain d'amour pour soi-même et pour le peuple. Donc ça peut être une bonne chose pour eux. Alors ça peut être très très bien pour les coéquipiers de Seko Fofana de s'exporter un petit peu dans les régions pour profiter d'un engouement populaire. Mais ça, c'était la première couche. Il y a le double effet qui se coule. Écoutez bien. On a dit le Nigeria va terminer premier de son groupe, à peu près sûr. D'accord ? La Côte d'Ivoire, imaginons, termine deuxième. Au prochain tour, les éléphants affronteront le deuxième du groupe C. Souvenez-vous, on l'a dit, le groupe C, c'est le groupe... du continent. Le groupe du continent, le groupe de la mort, avec le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. À l'heure qu'il est, les possibilités, c'est Sénégal premier, Cameroun deuxième, pour l'instant, Cameroun, Guinée, donc un de ces adversaires-là, le 2A contre le 2C. Et après, imaginons que la Côte d'Ivoire termine parmi les meilleurs troisièmes. Quels sont les choix qui se referaient à elle ? Elle affrontera soit le premier du groupe B, on vient de le voir, le Cap-Vert et l'Égypte sont les deux mieux placés, mais ça peut bouger, le Ghana a encore une petite chance. À l'heure où on se parle, c'est le Cap-Vert et l'Égypte. Ou alors, et là, tic-tac, tic-tac, le premier du groupe C, le Sénégal, a priori le Sénégal. Qu'est-ce que vous dites de ça, Henri ? C'est a priori le Sénégal. En tout cas, ce sont des hypothèses d'école. On est pratiquement dans la science-fiction. Mais après, si ça arrivait, je pense qu'on aurait droit à des matchs fumants, à des affiches haletantes. Quelquefois, et pas la réalité dépasse la fiction. Attention, il peut tout se passer là maintenant. Absolument, parce que bon, on est dans un jeu aléatoire et on ne peut pas prédire également l'avenir. Mais après, si on a une rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal en 8e de finale, cela va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses à cette belle fête du football africain, parce que ce sera un match couperé entre deux grosses nations du football africain. Bon, vous, je sens que vous avez envie de revenir en Côte d'Ivoire. Moi aussi, mais bon, je suis obligé de donner certaines informations, Brakissa. Et oui, et donc pour les matchs de demain, eh bien, le Cap-Vert, on vous l'a dit, affrontera le Mozambique à 14h, suivi du choc de la journée, donc Sénégal-Cameroun à 17h. Et enfin, la Guinée affrontera donc la Gambie et ce sera donc à 20h. Mais en attendant, on vous l'a dit, affiche choc entre le Sénégal et le Cameroun. Regardez. Alors,
la bande annonce est pas partie, bah si elle est partie. And what a moment it is! Il n'y a aucun doute, au contraire, c'est le match le plus difficile. Ce match-là, tout peut se passer. And Cameron finds the back of the net with an absolute beauty. And Guinea put it in the back of the net. On va aller debout et fort ensemble. C'est un sommet qui nous attend demain entre les Lions du Sénégal et les Lions indomptables, deux sélections aux dynamiques opposées. C'est ce que vous raconte Harold Mendy. Attention, choc dans le groupe C entre le Sénégal et le Cameroun qui s'affrontent dans un duel de Lions. Les joueurs d'Aliou Cissé n'ont évidemment pas déçu en s'imposant 3-0 face à la Gambie pour leur premier match. Une prestation aboutie qui confirme que le champion est venu en Côte d'Ivoire avec l'intention de défendre son titre de roi d'Afrique. De l'autre côté, le Cameroun n'a pas fait mieux qu'un match nul un partout contre la Guinée. Cette rencontre oppose des Lions du Sénégal qui sont au top de leur forme à des Lions indomptables qui ne cessent de décevoir depuis leur dernier sacre en 2017. Le Cameroun ne part pas favori, mais doit inverser la tendance et montrer un meilleur visage dans une compétition qu'ils ont remportée 5 fois. L'incertitude concernant la présence de Vincent Aboubakar, qui est blessé, met une épine dans le pied de Rigobert Song, qui se retrouve privé de son meilleur joueur. La tâche s'annonce difficile pour les Camerounais contre le Sénégal, qui n'a qu'un objectif, valider sa qualification en 8e de finale et rester en course pour continuer d'être sur le toit de l'Afrique 2 ans après un premier sacre. Le Cameroun est-il en danger après son match nul contre la Guinée, hein, c'était ça? Vous avez bien suivi. On l'a dit, c'est le groupe de la peur. Vous êtes Camerounais, vous pose la question. Vous allez affronter le Sénégal, le champion d'Afrique. On est comment? Comment se sent le continent? Le continent se sent en toute objectivité. C'est une situation qu'on a l'habitude de vivre. Et les matchs comme ça, c'est les matchs où le Cameroun se... sort de lui-même, on ne peut jamais enterrer le Cameroun, mais... On ne l'a pas enterré. Non, on ne peut pas enterrer le Cameroun. Non, on ne peut pas, quand même. 5 fois champion d'Afrique. Quand même, s'il vous plaît. Mais il faut quand même respecter... Quelle arrogance. Non, c'est des faits. Ce sont des faits. C'est vrai. Ce sont des faits. Mais par rapport au match de demain, c'est un match qui sera plus à la portée de l'équipe du Cameroun, parce que c'est les genres de matchs dans lesquels ils arrivent à se sublimer. Et ils voudront montrer qui est le vrai patron. Tout ça, c'est le lion. Qui est le lion. Après, il ne faut pas non plus enlever la suprématie du moment du Sénégal, parce qu'il ne faut pas dire, faut dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, ils surfent sur l'Afrique à tous les niveaux, à tous les étages. Ils ont une génération qui gagne. Mais aujourd'hui, la théorie du danger, ne vous inquiétez pas, on connaît. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Qu'il s'agit de bien, c'est la théorie du danger. Allez, on va se détendre un petit peu avec tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux au sujet de la CAN. C'est dans la Gazette de Tam Tam Parleur. La CAN c'est chez vous. Mouriez-vous, gagnez et pas jouer par là-haut. Franchement, vous foutez la rage. Vous foutez la rage. Je dois me réveiller à 4h du matin. Demain, je serai à 6h. Je suis là, il est 23h. Je regarde les matchs pour me faire ça. Franchement. Bah, comme vous voulez la vanine, hein. Bah, tu le mets où? À tel ibis. Bah, tu le mets, on te met un lit au tel ibis. On n'a pas droit au bonheur. Toujours nous, pourquoi? Toujours nous. Hein? Toujours. Oh. Vous savez, nous, au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup. Un peuple très humble. Donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Hein, les hommes du bois. Il y a l'argent de Tigre sur moi, je serai au stade. Arrivé au stade, soit gérante. Voilà. Je faisais 15. Et je me suis assis, je ne me suis pas lavé, ni brossé, ni rien. On dit, il y a mon chapeau. Il y a quoi? On dit, il n'y a pas de ticket. Vendredi à 7h08, nous tous sommes au stade. On rentre ou bien on rentre, comme le gars a dit, on rentre ou bien on rentre. On va se dire les vrais trucs en face,
je pense qu'il n'y a pas plus grand favori pour cette compétition que nous. Mais il y a aussi... Nous, on a fait une Coupe du Monde incroyable, on a représenté l'Afrique. Je pense que pour cette compétition-là, on est aussi les grands favoris. Ouais, c'est vrai. Sans votre respect, la Coupe d'Afrique, elle est chez nous. Donc je pense bien qu'on est favoris aussi, autant que vous. En vrai, c'est nous trois. Nous, c'est les trois, comme on dit. Merci. Alors messieurs, qu'est-ce qui a retenu votre attention là dans ce qu'on vient de voir? On va faire un tour de table rapide. Henri. Le petit tacle d'Aliou Cissé à nos amis camerounais, le Sénégal, qui se veut réaliste, pragmatique, et qui est peu loquace, mais qui va tout donner pour pouvoir marcher sur le Cameroun demain. Et vous? Moi j'ai bien aimé le Congolais qui se réveille le matin en train de se plaindre des émotions qu'il ne reçoit pas depuis plusieurs années. Donc c'était marrant comment il parlait donc avec le cœur. Donc il a envie de voir les Congolais gagner les matchs. Donc s'il vous plaît les Congolais, faites une victoire pour lui. Moi j'ai bien aimé la maman qui parlait de son chapeau, qui n'était pas à l'aise, elle m'a fait rire, il y avait beaucoup d'authenticité. Donc c'est le moment que j'ai préféré. Pour les restes, ça m'a même pas touché. On se demande pourquoi est-ce que vous dites ça, Sébastien. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de choses. Vous avez le Congolais, c'est pas mal. Hein. Oui, moi j'ai une petite idée. Bon, Sébastien vantait tantôt le Hemley, le fighting spirit, le fameux fighting spirit camerounais. Mais il va falloir trouver des solutions tactiques au problème du Cameroun demain pour faire la différence face aux champions d'Afrique. Ah, ça commence là. Est-ce qu'on peut faire un plan sur Sébastien Basson, s'il vous plaît? Merci. Non, le football n'est pas une science exacte. Aujourd'hui, si c'était la tactique qui gagnait les tournois, je pense que beaucoup d'équipes qui ont des tacticiens, qui ont des choses, auraient gagné tout le temps. Aujourd'hui, on est à la CAN et on est dans une compétition de football. Si le Cameroun, honnêtement, a gagné cinq fois la CAN, non mais c'est pas parce qu'on était les meilleurs tactiquement, c'est pas parce que tu parles du Hemley. Oui, le Hemley, c'est quelque chose qui nous symbolise, et on verra demain, ça sera un grand match, et que le meilleur gagne. Merci les amis, on va y aller, on pourrait parler jusqu'au bout de la nuit, on va y aller parce que notre réalisateur Xavier Taconnet a des choses à faire. On va dire un merci spécial à Adrien Laure Blanchet, notre cadreur plateau. Vous ne le voyez pas, il est dans l'ombre, mais il est avec nous, il est précieux. C'est lui qui a filmé la rencontre entre Chehi et Osimhen, et on le remercie pour son utilité, tout ce qu'il apporte à ce plateau. Demain, Sénégal, champion d'Afrique, le continent, 5 titres de champion d'Afrique. J'ai rien à vous dire. Ça va être le feu. À demain, dormez bien, on va s'éclater. Allez, à demain. Ciao. Ça va être le feu demain. Sénégal, Cameroun. Et la canne sera... Wouh.